Let's go.
C'est exactement le principe action-réaction. Exactement. Si je vous dis la pression qu'il y a là-dedans, vous ne parlez pas. Ah, dites-moi. Pas plus qu'un robinet. C'est vrai? Pas plus qu'un robinet, c'est juste le débit qui est colossal. D'accord. On est avec celui-ci un petit peu. En fait, celui-ci a plus de pression, c'est le tout dernier modèle. Ouais. Qui a des buses légèrement plus petits, donc il y a un poil plus de pression. En principe, sur les autres, sur le modèle qu'on a là-bas, on est à. On est à 5 mètres cubes en 3 secondes. Voilà. Ouais, en effet. Et là, c'est une télécommande pour. Là, c'est une télécommande. Ça, c'est sorti cette année, en fait, si vous préférez. Au tout départ, il y a 4 ans, on était obligé d'avoir une personne sur le jet qui nous maintenait les gaz, qui nous donnait une altitude maximale et minimale. Vous pouvez évoluer au milieu. Voilà. Ensuite, on a eu une télécommande plus ou moins filaire qui passait à travers le tuyau. Ouais. C'était ça tenait, c'était incroyable. Il y a eu je sais pas combien de brevets dessus. Et depuis cette année, on a enfin la télécommande sans fil. Sans fil. Wifi. D'accord. Qui est en Wifi et on est en train de. Enfin, du coup, le Francky Zapata qui est en train de développer ça. Et le seul problème, c'est que le Wifi, on est dans l'eau douce, on a 1 mètre de portée, on est dans l'eau salée, on a 5 cm. Donc dès qu'on est dans l'eau, ça coupe. Ça joue l'eau salée? Ah, l'eau salée, c'est incroyable. Ça. Les ondes se répartissent vraiment beaucoup plus vite et on a une déperdition qui est énorme. Ce qui fait que dès qu'on est sous l'eau, la télécommande coupe et le boîtier retient la dernière information enregistrée pendant 4 secondes. Ça évite d'aller se planter au fond, voilà. Ce qui est plutôt sympa. Et là, il est sur un système de capteur. En gros, dès qu'on passe sous l'eau, la télécommande change de mode de fonctionnement. Au lieu d'émettre sur du Wi-Fi, elle émet des ondes sonores. Et ça fait vraiment le bruit d'un sonar. On a juste un souci de switch, c'est-à-dire que ça met plus de 4 secondes à changer. Donc on est sous l'eau, on n'a plus d'accélération. Et c'est très français. Bien. Et ben je vous remercie beaucoup.